monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette qui va être les spritz, ou sinon on appelle ça aussi les viennois. J'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à vous abonner et aussi à activer la petite cloche si vous aimez mes vidéos. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits en barre d'infos. Maintenant c'est parti, on va commencer. Il vous faudra 190 g de beurre mou, 75 g de sucre glace, 210 g de farine, 2 cuillères à café d'arôme vanille liquide, un blanc d'œuf, une pincée de sel et 150 g de chocolat noir. Alors je vais commencer dans la cuve de mon robot. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire à la main avec une spatule. Je viens mettre le beurre mou. S'il n'est pas assez mou, n'hésitez pas à le passer 10-20 secondes au micro-ondes. Je prends la feuille du robot et je viens mélanger à petite vitesse pour qu'il devienne un peu crémeux. Vous voyez la texture un peu crémeuse. On va venir avec une spatule racler les bords pour le ramener bien vers le centre. Je viens ajouter le sucre glace, le sel et l'arôme de vanille liquide. Vous pouvez aussi utiliser, si vous le souhaitez, de la vanille en poudre. Et je viens remélanger à vitesse moyenne. Une fois que tout est bien incorporé, on va venir avec la spatule re-racler les bords du robot pour ramener vers le centre. Ensuite, je viens ajouter l'huile, ou de l'huile de tournesol, en tout cas de l'huile neutre que vous pouvez utiliser. Et je viens remélanger à pleine vitesse. Une fois que c'est incorporé, je vais pouvoir venir ajouter la farine en une seule fois. Et on va remélanger à vitesse moyenne, le temps que tout s'incorpore, que ça forme une pâte. Une fois que c'est bien incorporé, que c'est devenu bien compact, on va venir avec la spatule racler les bords pour bien ramener au centre. On va se munir d'une poche à douille. N'hésitez pas avec la spatule ensuite à remélanger bien pour que le beurre soit bien... comment dire, ça soit un peu chauffé en fait le beurre, sinon ça va être trop dur à manipuler. Je me munis d'une douille qui est cannelée assez large de 8 dents et je viens mettre ma pâte dans la poche à douille. Ensuite, dans la poche à douille, j'hésite pas avec mes mains à chauffer un peu la pâte pour que le beurre soit un peu fondu et un peu chaud pour vraiment que ce soit facile ensuite pour le pochage. On préchauffe notre four à 180 degrés, on prend une plaque qui va au four, on met du papier cuisson dessus et on va venir dresser les spritz, donc de la forme la plus connue, mais vous pouvez très bien faire la forme que vous souhaitez. Et je fais cuire 12 minutes à 180 degrés. Quand ça commence à être doré, vous retirez du four et on laisse entièrement refroidir parce que c'est facilement cassant, donc faites attention. Une fois que c'est totalement refroidi, on fait chauffer notre chocolat au micro-ondes et on vient prendre les spritz et on les enrobe de chocolat sur une moitié. Je racle un peu le dessous pour enlever le surplus de chocolat et on vient les disposer sur du papier de cuisson. Et ensuite, on les met au frais le temps que le chocolat durcisse. Quand ils ont bien durci le chocolat, on va pouvoir les disposer dans un plat et ensuite vous les conservez dans un plat bien hermétique. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime à la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour voir mes futures recettes. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui est Instagram et Facebook. Si vous voulez voir d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté et je vous dis à très vite. Bye !